Le riz chop chop, c'est quoi? C'est le riz. Et le riz rouge là-bas, c'est? Le jollof, le riz épicé, le haricot, c'est le riz cantonais. Moi, je veux le jollof. Ok, je prends un bangou beef. Le bœuf de bangou là, c'est quoi? Bangou beef. C'est une viande de bœuf. Ouais. Fait avec quoi? Elle vient de bangou ou pas? C'est un style. Ah, un bangou, c'est un village. C'est comme un bangou. C'est sûr, c'est vraiment fait comme un bangou. Donc moi, je veux du jollof rice avec aloko, et aloko. Oula. Mais là, c'est quoi la fin? Je vais prendre pareil. Donc, le bol, c'est la composition avec le riz, c'est ça? Je vais prendre le riz rouge comme ça. Du coup, si je prends de haricots, c'est en complément. Du coup, je vais prendre un peu de haricots. Hein? Bangou beef. Et du coup, du coup, t'as pris quoi, toi? Du coup, t'as juste pris le bol et tout? Après le bol, t'as rien pris d'autre? Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Là, tu veux savoir ce que j'ai pris? Je pourrais manger tes aloco? Ouais. Parce que j'ai pas trop... Je vais prendre un dessert? Non, c'est savoir si... T'as pris une formule ou pas? Non, j'ai pris bol. Le dessert, il n'y avait pas, parce que là, tu vois, il y avait... Non, je ne prends pas de dessert, je n'aurais pas assez faim. Non, c'est bon comme ça. Et je vais prendre une boisson. La boisson... Je prends un Coca Zéro. Ouais, il n'y a pas de Coca Zéro. Aussi pour... Depuis que je suis ici dans ce pays, jamais de Coca Zéro. Je vais prendre un Fanta. Allez, tiens, je prends tout ce que je prends. Donc ici, c'est un restaurant camerounais, donc fast-food. Et on a fini l'événement en face de toi. Et Ben, qui est assis là-bas, nous a proposé... les gens avec qui on était pour l'événement. Et du coup... On vient goûter ce qui se passe ici. Hein? Tu as pris quoi comme bassin? Non, c'est bon, j'ai mon portefeuille. Monsieur, vous avez pris un bol de riz jollof, aloko et chop chop mix. Ok. Elle prend quelque chose à boire. De pizza. Monsieur, il arrive. Il va prendre l'argent. Monsieur, vous avez chop chop mix le bol. Donc du coup, effectivement, on nous a dit que c'était un restaurant camerounais. Ils font des trucs assez sympas. Donc du coup, ici, il y a le riz, le haricot, le riz qui est là. Et la viande, elle est faite derrière, là-bas? Ah, d'accord. Donc voilà, ça a l'air sympa, c'est top. Ils font des crêpes aussi. Voilà. C'est assez sympa. Oui, madame. Un bol de riz jollof. Oui. Haricots rouges et bangou. Oui. Et un Fanta. Oui. Ça fait. Ça vous fera 9 000. Le bol.
ça fait 9000 pour moi et... Vous payez ça ? Oui, oui, c'est la maison, c'est lui qui paye. C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui est riche. À moi, je vais prendre tête. Ah, ouais, ok. Regarde. Je regrette, c'est à tout le monde. Regarde. Sur place. On est assis là-bas avec les deniers. Ah. Monsieur Bourou, ça suffit que j'avais fait assez par mon nom. Oui, pas de soucis. Vous rendez l'argent. Non, vous donnez l'argent des 10 000 à un mois. En 2004 et 2000. Ça fait nous, ça. La commission en rajoute pas encore. Donc, c'est quoi la raison? Moi, je fais quoi? Je connais pas. Mais j'ai déjà rencontré, il m'avait proposé. C'est pas vrai, il fait des cocktails ici. Il m'a proposé des boissons. Non. Mais. C'est un vrai Camerounais. On devrait l'interviewer. En fait, c'est pas que ça va mal venir, mais. Je pense que c'est lui qui est venu faire le tour du Camerounais. On va avoir l'interview. Vas-y, et avec. Il te revient. Si. Il y en a combien de risques? Je suis trop de ravis en fait. T'as pris quoi du coup? Des risques? Enfin, je suis trop de ravis. Barbecue Wings, Eric Antonet et haricots rouges. Je sais. Et Antonet ou au fried rice? C'est Eric Antonet ou fried rice? C'est le fried rice. Ouais, sûr, c'est... Oui, c'est comme les chefs qui testent à manger là. C'est ça, c'est... Bon, agréablement surpris par un restaurant camerounais. Avec des Camerounais pour faire des trucs comme ça, tu vois. Donc aujourd'hui, on va manger du riz avec du haricot rouge et le bœuf qui vient de Bangou. Peut-être pas, mais bon. Le Bangou Beef. Donc on va goûter, on va voir ce que ça donne. Ça va. Les haricots. C'est comme chez vous, quoi. Il manque plus que le beignet. Il manque plus que le beignet haricot. On sent vraiment que ça vient, que la personne qui fait la cuisine là vient du continent. Ah, ça sent vraiment. Où ça y est. Du coup, j'aime bien. Et la viande, elle est bonne, elle est tendre. Et la viande, ça c'est le juge de paix. C'est bon. Alors là, c'est très bon, mais c'est bon. Je dis que tu diras très bon, je pense que je vais me venir. Quand c'est très bon, ça veut dire que tu es au Cameroun. Quand tu es à l'étranger, tu dis que c'est bon. Parce que quand tu es au pays, la saveur est plus particulière. Ouais, ouais, donc c'est du ça, coup, tu... qui rajoute. La pollution rajoute. C'est n'importe quoi. Tu vois, ça va être calé. Venez en Côte d'Ivoire manger ça. C'est sûr que ça va être calé. Je vais acheter.